le thème comment est-ce qu'une nouvelle, enfin, imaginer une nouvelle façon de gérer sa relation client peut améliorer la rentabilité du cabinet. En deux mots, qui suis Jean-Philippe Cormet, je suis le fondateur de Rubato. J'ai été juriste en cabinet, puis j'ai été débauché dans des protections juridiques. Je faisais du droit immobilier, particulièrement de la construction et de la copropriété. Et j'étais, du coup, de cette expérience particulière qu'on a développée chez Rubato, on est devenu formateur pour les écoles d'avocats. Premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est une réelle question. Donc, si vous avez je vais sûrement vous donner la parole pour avoir votre avis. Pour vous, relation client, en vrai, on parle de quoi? Parce que ça veut dire tellement de choses qu'on parle de quoi quand on parle de relation client? L'un ou l'autre, les deux courageux venus sur scène. Le lien qu'on arrive à créer et entretenir avec avec un client, voilà, j'irai Donc plus sur le vite. relais de la confiance, la délégation de confiance pour créer une relation interpersonnelle, c'est ça? Oui, et puis surtout aussi pour l'entretenir. Ok. Donc un sujet à entretenir pour que la confiance entre humains fasse que l'un puisse correctement représenter l'autre. Ok? Ce qui me semble dans la relation client, ce qui me semble compliqué, c'est d'essayer de comprendre comment le client nous perçoit. C'est-à-dire que on a on peut avoir le sentiment d'avoir rendu un service. Et pour autant, le client n'est pas forcément satisfait parce qu'il manque des ingrédients dans la recette de cuisine, même si on a donné la réponse juridique de qualité, etc. Et quelquefois, on a des frottements et les clients ont beaucoup évolué depuis que je fais ce métier. Ils n'ont plus du tout les mêmes attentes. Enfin, le sentiment que j'ai, c'est quand même qu'ils nous considèrent de plus en plus comme des hamburgers plutôt que des plats de restaurants étoilés. Et donc, Donc là, c'est le qu'est-ce. ils consomment de C'est plus en ça. plus de l'avocat comme ils consommeraient n'importe quoi. Ils consomment de l'avocat, oui. Ok, ah oui, il y a une mise à bas de pas mal de professions intellectuelles qui avaient un principe un peu. J'aime pas dire patriarcal parce qu'en ce moment on l'utilise à bien d'autres fins, mais un peu Paternaliste. paternaliste en tout cas, ouais. Le paternalisme qu'on voit chez les médecins, chez les avocats ou autres est un peu mis à bas, en grande partie grâce à Internet, avec cette idée que parce qu'on a lu trois trucs sur Internet, on s'y connaît et qu'on peut contester l'avocat. Je suis d'accord. Encore une fois, on est sur le fond juridique et c'est là où, étonnamment, et on en parle tout à l'heure, c'est tout ce qui n'est pas juridique qui va vous créer votre crédibilité. Et en même Ok. temps, je pense qu'il y a une grande solitude des clients aujourd'hui, un peu Oui, comme dans face à toutes leur les écran. pièces, dans toutes les sociétés de services. Ce matin, je Oui. voyais des assureurs sur un produit d'épargne qui aujourd'hui proposent non seulement le produit d'épargne, mais ils proposent aussi un service et une société totalement dédiée au conseil d'épargne pour les salariés. C'est-à-dire que Oui. les salariés reçoivent dans l'intéressement, ben ils peuvent appeler une société indépendante qui va leur dire, par rapport à votre vie personnelle, votre situation, ben vous avez plutôt intérêt d'épargner pendant 5 ans, plutôt de placer Ouais. sur un fonds de retraite, plutôt prendre des risques, plutôt pas en prendre, etc. Et ça n'existait pas avant et c'est un peu une sorte de service humain, réhumaniser le service pour sortir des chatbots et autres joyeuseté de cette nature. Ouais, après c'est exactement. Après c'est le problème, c'est toujours les excès. L'excès de t'as qu'un chatbot, ça fait qu'il manque de l'humain. Et s'il n'y a que de l'humain, il n'y a pas de rentabilité, les boîtes risquent de se casser la gueule. Donc C'est ça. quel est l'équilibre entre les deux? C'est Et ça. effectivement, quelle est justement cette relation client, l'équilibre entre la nécessaire relation humaine dont parlait Maître Poli, parce que c'est une relation interpersonnelle de délégation de confiance et de responsabilité sur des sujets critiques. Donc il y a de toute façon un truc de confiance à mettre en place. Mais étonnamment, il n'y a pas que ça. Et en tout cas, cette mise en place de la confiance
ne jouera pas uniquement sur le champ de la technicité juridique. Moi, je parle d'un ensemble pluridimensionnel, volontairement, en me disant, ben oui, il y a de la relation commerciale. Dans une relation client, oui, vous êtes avocat, il y a un serment, il y a une expertise juridique, il y a une déontologie, oui. Mais de plus en plus, c'est ce que vous disiez, Maître Pouliquen, sur l'analogie avec les hamburgers, alors sans aller jusqu'aux produits de fast-food consommables, clairement, le fait qu'ait été entériné la directive service et le fait que vous soyez une prestation de service, pas tout à fait comme une autre, mais quand même qui a les mêmes, traits fondamentaux, fait que, Internet faisant, c'est une relation commerciale, nécessairement. C'est une collaboration technique, ça on le disait. On a beau avoir fait la bonne réponse juridique ou la bonne prestation juridique, pas pour autant qu'ils sont contents, mais en tout cas, il faut bien l'avoir. C'est de la gestion de projet, ça on le sous-estime beaucoup. Gestion de projet, c'est-à-dire qui fait quoi, dans quel ordre, à quel moment j'interviens, à quel moment je remets le projet sur la table et je l'amende, je l'abonde et je le fais évoluer. C'est une relation financière. Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément très confortable dans la profession, mais on remet quelques chiffres tout à l'heure volontairement sur la table pour dédramatiser et partager des trucs, des faits, et non pas des impressions. Il y a aussi une relation financière qui va jouer dans la relation client. C'est-à-dire qu'entre la relation humaine, technique, commerciale, de suivi de projet, donc de gestion de projet, et la traduction financière que ça va avoir, l'ensemble de ces ingrédients-là va créer une dynamique globale qui fait qu'on va se retrouver avec des gens qui disent « Oh, dis donc, il est super !» Ou alors, je ne sais pas s'il a bien gagné ou s'il a gagné en faisant n'importe quoi, ou s'il a perdu en ayant tout donné, ou s'il a perdu parce que c'était indéfendable. Eh bien, ça joue du cocktail, et pas seulement de la technique juridique. Pour moi, c'est un cycle d'amélioration continue. Il y a, alors volontairement, je pars de très loin pour changer de ce qu'on vous rabâche depuis des années. Eric Ries, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Lean Startup », l'application aux sociétés de conseil et aux startups qui sont des idées nouvelles, de l'application de la méthode Lean de chez Toyota. Et lui, il résume en disant, en fait, on cherche plus, avant de faire de l'argent dans une startup, à tester nos hypothèses, donc il faut tester, mesurer, apprendre. Et ce ne sont que des cycles d'amélioration continue. Il parle comme ça. En droit, moi, je l'ai traduit hyper basiquement en me disant que la relation client, c'est oui, un nouveau dossier, mais du coup, ça doit devenir un suivi de projet dont on doit faire le bilan et chercher la recommandation pour obtenir de nouveaux dossiers ou améliorer ces nouveaux dossiers. Et on recommence. Donc volontairement, oui, il y a l'interpersonnel, il y a l'intuitu personnel, de la délégation de confiance et d'expertise à l'avocat, oui. Il y a le prestataire de service qui doit répondre à son client, oui. Mais il y a un autre truc qui se joue qui est un peu plus systémique derrière. Et c'est pour ça qu'on va aborder trois points aujourd'hui. Déjà, on va refaire le constat. Pour moi, la difficulté et la nécessité de réinventer la relation client, c'est qu'il y a une grande incompréhension entre avocat et client. Donc, on va faire une grande réconciliation, pour prendre des titres un peu connus. Et on va regarder les gains mesurables qu'on peut avoir direct. Et sans taper dans les coins, on va rester dans du simple. Si vous avez d'autres idées, je prends, je rebondis dessus, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin qu'on aille plus loin, ce n'est pas l'occasion forcément du webinaire, si on n'a pas le temps. Mais je vous réponds avec plaisir dans un autre cas. Et parce que vous êtes quelques-uns dont je n'ai pas reconnu le nom, donc dans le même cas que Maître Pouliquen, je ne sais pas si vous connaissez Rubato, je vous explique rapidement comment nous on a répondu de manière un peu plus large que seulement la relation client, mais comment on l'a intégré dans notre solution. Premier point, la grande incompréhension. Pourquoi il faut repenser la relation client? Chiffres qui piquent un peu, hein, je suis d'accord, ils ne sont pas de moi. Hein. 87% des clients sont peu ou pas satisfaits de leur avocat. Statistique 2022. Ça paraît énorme. Mais en fait, quand on creuse derrière, c'est assez rassurant. Ça veut dire qu'avec trois thèmes principaux, on sort le truc. 28% de ces 87 peu ou pas satisfaits disent problème de suivi de dossier. Les autres disent manque de communication. Et les derniers disent question d'honoraires. Alors la question d'honoraires, moi je l'ai creusée. Parce que c'est toujours un espèce de faux-semblant de la profession. Oui, c'est trop cher, c'est pas cher, ben, on n'arrive pas à prévoir, machin. Ça n'est pas le montant des honoraires à la fin de la procédure, c'est l'imprévisibilité à l'ouverture du dossier et parfois l'incohérence ou la difficile mise en relation de ce qui a été annoncé, de ce qui est demandé à la fin. D'où ce qui me semble être
trop souvent bien trop radicales et bien trop excessives, donc proches de l'erreur, les abonnements à tout crin, les forfaitisations faites n'importe comment sans avoir été réfléchies économiquement parlant. C'est un effet d'accroche côté client, mais si finalement c'est pour ouvrir des heures, enfin lui demander des heures en plus parce que le forfait n'avait pas prévu ceci, ceci ou cela, on retombe dans un espèce de système de low cost où dès qu'on veut avoir un peu plus ou qu'on veut que le boulot soit bien fait, on n'a plus aucune visibilité. Donc c'est pas le montant des honoraires, c'est la prévisibilité, la lisibilité et la cohérence entre l'annoncé et le final. Okay? Donc il y a trois causes qui ne sont jamais liées au juridique. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. On a 87% des gens plus ou pas satisfaits, okay. Sachant que déjà ceux qui ont perdu vont avoir la dent dure, que ceux qui ont gagné se demandent s'ils ne peuvent pas gagner plus, ceux qui n'ont rien compris, c'est OK. Mais les thèmes principaux qui ressortent et qui sont hyper majoritaires ne sont pas liés à l'expertise juridique ou au résultat du procès ou de la négociation, peu importe. Suivi de dossier, communication, cohérence d'honoraires. L'image d'Épinal qu'on a trop souvent dans la profession, oui, mais c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce que ça veut dire le travail de l'avocat. C'est partiellement vrai. Mais là, j'ai une vraie question. D'après vous, que comprennent vos clients de votre travail? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. J'en ai eu. On l'a joué plusieurs fois. Je le fais avec nos clients. Je pose toujours la question pour avoir un avis des profils des avocats que j'ai en face de moi. Il n'y a pas de problème avec toutes les réponses. J'en ai eu des caisses très différentes. Donc n'hésitez pas. Que comprennent-ils? Je pense que c'est un peu comme les informaticiens, on veut que l'ordinateur marche. Et pour les clients, bah, ils veulent que les avocats résolvent leurs problèmes. Donc, point. Si c'est résolu, ils sont Ouais, c'est contents. ça. Si ce n'est pas résolu, ils ne C'est sont le pas contents. fantasme de l'ordinateur avec un bouton. J'appuie dessus et j'ai la réponse Voilà, absolue, quoi. exactement. Ok. Et que Sur c'est le facile chat. parce qu'on n'a qu'à lire dans les bouquins. Oui, bah bien sûr. Bien sûr. Oui, ok. Donc En le fait, côté. on a fait des études où on apprenait tout par cœur et on recrache Donc on n'a ça. plus qu'à réciter. Donc on n'a On est plus les qu'à. remplaçants des curés. Ouais, c'est ça. Si on a bien appris, on n'a plus qu'à réciter. Ok. Voilà. Donc le côté, l'opacité de la technicité et le j'arrive tellement pas à prendre pied sur la technique que bah puisqu'ils sont hyper diplômés, qu'ils sont les seuls à gérer le truc et qu'en plus ils me prennent du pognon, ils vont bien se démerder, ils vont me faire ça bien. Donc aucune compréhension de la matière technique. Ça, on est d'accord. Sur le chat, j'ai du trop technique, pas assez résumé. Ouais. Le comment on arrive à un conseil ne les intéresse pas, seul le résumé compte. Oui, seul le, ouais, c'est ça. C'est le moyen ou le résultat. Ils sont très attirés par le résultat, oui. Ça ne va pas être trop long, car on doit savoir. Bah oui, on sait tout, donc ça devrait être fait. Là, je rejoins le fast-food, on appuie sur un bouton, ça nous sort l'addition, et bingo, vous avez gagné. OK. Alors, on est d'accord, ils comprennent rien à la technique juridique. Sont ravis de ne pas avoir fait ces études-là, ou ils le regrettent, mais en tout cas, ils savent qu'ils ne dominent pas, ils sont ravis de déléguer ça, parce qu'ils savent que c'est, ça peut jouer à un mot ou ça peut jouer à un truc. Par contre, votre promesse, et là je suis très volontairement, alors que je suis juriste et que j'étais à la fac avec vous, presque casquette commerciale, quelle est la promesse ou l'engagement que vous prenez vis-à-vis d'eux? Et la façon dont vous avez construit votre promesse. Dire je vais faire mon maximum n'est pas vraiment entendable, en fait. Il faut expliquer ce que ça veut dire mon maximum. Le suivi de dossier, ça, ils en font tous. Parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont acheté une maison, parce qu'ils ont acheté une voiture, parce qu'ils ont commandé des trucs sur Internet, fait bosser un architecte, ou qu'ils ont des parents, des copains ou des trucs. Ils connaissent ça, voire c'est leur métier d'être chef de projet, de gérer des dossiers ou autre. Donc ça, le suivi de dossier et la cohérence entre je vous dis que ça va se passer comme ça et ça se passe comme ça dans les faits. Ils comprennent, ils ont pareil au boulot. La communication, pareil. Parler à un autre individu, alors oui, il y a de la technique, mais vous prenez n'importe quel artisan, n'importe quel vendeur spécialisé, n'importe quel, je sais pas moi, commercial, technico-commercial, ils ont tous un jargon technique. Une caissière dans une grande surface, il y a un nombre d'abréviations dans sa caisse, les rapports qu'elle doit faire, etc. Ah oui, on pourrait l'apprendre, mais bien sûr, mais eux aussi pourraient apprendre des trucs liés au droit. La communication, par contre, le comment je te l'explique, ça tout le monde comprend. Et après, la cohérence de la facture. Tu m'as annoncé un devis, c'est-à-dire je devais acheter cet objet à temps. S'il y a des frais de port, du surplus, finalement un rajout, que c'est renégocié, que c'est machin, que j'ai pas mon mot à dire, bah, je serais insatisfait.
On m'avait dit que j'allais acheter en solde tel objet avec telle promotion. Finalement, ce n'est pas le bon objet parce que oui, mais non, la petite ligne, je retombe sur la caricature des assureurs. Et oui, pas au même prix parce que bah, la confiance, la crédibilité, la satisfaction, ça ne marche pas. Et là, encore une fois, on ne parle pas de droit. Et tout ça, ils comprennent très bien. Ils le font avec d'autres prestataires, ils le font dans leur boulot, dans leur vie privée, ils le font tout le temps. Et ça fait maintenant intimement partie de votre prestation de service, puisqu'il y a, on le disait en début, en ouverture du webinaire, beaucoup moins de paternalisme qu'il y a 20 ou 30 ans, où on disait merci à son avocat de s'être battu pour nous, et quand on avait gagné, c'était quand même à peu près la moindre des choses de lui faire un cadeau, de lui offrir une caisse de pinard. Bon, fini ça, terminé. Donc maintenant, prestation de service, comment on fait? Vous avez des enjeux très éloignés, avocat et client. Je commence volontairement côté client. C'est rare d'avoir des clients qui ont des dossiers toute l'année, toutes les années. C'est le dossier de l'année ou le dossier de leur vie. Et même des entrepreneurs, ils n'ont pas tant de dossiers que ça avec des avocats. Quand ils en ont, c'est une grande frayeur parce qu'ils cherchent à ne pas en avoir. C'est une délégation technique, mais c'est en même temps une délégation psychologique. C'est-à-dire, j'achète mon chevalier blanc, j'achète mon négociateur qui est plus technique que moi. Donc j'achète l'espèce de moi augmenté technique. Et c'est un budget qui est craint. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'une des raisons de l'insatisfaction, les questions d'honoraires annoncées, suivables, pilotables par eux, et non pas forcément que subies par eux, etc. Donc on a ça. Eux, ils ont ça. Côté avocat, c'est un dossier parmi d'autres. Alors, c'est pas pour autant qu'on ne bosse pas dessus. Il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'il y a une mécanique d'entreprise à gérer. C'est, vous le disiez très bien, Maître Pouliquen, une expertise juridique à réussir avant tout. Bah ouais, sans expertise technique et sans droit, il n'y a pas d'avocat. C'est une relation client qui est synonyme de temps, voire de temps gâché ou de temps de pollution. Et c'est une rentabilité attendue, espérée et presque crainte. Je ne l'ai pas écrite, mais parfois, je connais certains confrères ou consoeurs à vous qui ont un peu peur de compter parce qu'ils ont peur de se rendre compte des chiffres. Bon. Du coup, alors, est-ce que déjà sur tous ces constats-là, il y a des questions ou des observations? Et on est d'accord, je ne parlerai jamais de droit. Hein. Ça fait 5 ou 6 ans que j'ai lancé le projet Rue Bateau. Je suis plus du tout à jour en droit immobilier, donc je ne dirai même plus rien sur la matière que j'étais censé dominer. Et sur le reste, il y a des matières où j'étais une chèvre complète et les autres où je sais que j'étais béotien. Bon, donc on ne parle pas de technique. Sur tout le reste, là, qui est presque plus proche du marketing et de la communication, mais en ayant bossé dans les cabinets, on a vraiment ce truc-là. Si j'ai oublié quelque chose, vous me dites. Ok. Du coup, comment on se réconcilie? On va prendre notre idée, c'est de se dire qu'il y a des particularités liées à la profession, c'est évident, et qu'on n'a certainement pas le droit de trahir ni la déontologie, ni le secret pro, ni machin, évidemment. Par contre, la structuration d'une entreprise de service et d'une entreprise de conseil, il y en a d'autres qui le font. Donc, qu'est-ce qui existe ailleurs et qu'on pourrait adapter? Chez Rubato, on est persuadé qu'il y a deux méthodes à mélanger pour arriver à un résultat. La gestion de projet collaborative, pour travailler ensemble et répartir les tâches, les étapes de suivi et les vérifications. Et même quand on est indépendant ou qu'on est collaborateur libéral qui veut se développer, il y aura bien de la collaboration d'équipe parce que vous avez ne serait-ce qu'un client. Ou un client et un associé. Plus peut-être une assistante ou un secrétariat externalisé. Si vous faites du contentieux, il y a les greffes. Si vous faites du conseil, est-ce qu'il y a un expert? Est-ce qu'on a je sais pas moi, en immobilier, on avait des géomètres ou on avait des ingénieurs structure. Si c'est un contentieux, on va avoir l'expert. Si c'est en société, on va avoir un expert comptable, un commissaire aux comptes. Il y a toujours du monde autour. Il y a des parties prenantes bien plus larges que l'avocat ou l'avocat et son client. Donc, comment on tient compte de tout le monde? Parce qu'en fait, et là, en tant que chef d'entreprise, quand je mandate un avocat, j'attends ça de lui ou elle, qu'il soit maître du temps de mes intérêts. Mais maître du temps. Donc maître du dossier, donc maître du rythme. C'est les chefs d'orchestre de toutes les parties prenantes. Si qu'ils me disent n'est pas de réponse d'un expert, je veux bien, à condition qu'il les relance 3 fois par 3 canaux différents. S'il dit, bah, j'ai essayé de l'appeler hier parce que je savais qu'on se voyait aujourd'hui, je ne l'ai pas eu, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu, j'espérais que vous le contactiez avant ça.
Voilà. Donc, gestion de projet collaboratif. Comment on fait pour travailler bien ensemble et répartir les tâches pour que ça avance dans le bon sens et à bon rythme. Pilotage industriel avec. Pilotage industriel parce que il y a des schémas récurrents ou répétitifs, il y a des éléments à compter pour valider les principes de fonctionnement, donc l'efficacité collective, la vélocité. Et on revient sur mon système de Lean, dont je parlais tout à l'heure, tester, mesurer, apprendre. Dans la technicité juridique, on doit être perfectionniste et ne pas se planter parce que on a du droit à manipuler. Sur le reste, on peut essayer des choses et les appliquer, voir si ça fonctionne ou pas. On part du principe chez nous, chez Rubato, que un dossier peut être modélisé par ce qu'on appelle une séquence chez nous, c'est-à-dire un enchaînement d'étapes prévisibles qui vont se succéder à rythme connu. Alors, j'ai tout de suite les contentieux qui me disent « Oui, mais on n'a pas le calendrier RPVA. » Oui, mais ces trois dates, tout le reste est déjà prévisible. Bon. Et les dates, vous connaissez le rythme de vos tribunaux. Est-ce que grossièrement, on va avoir des allers-retours tous les 2 mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, selon les tribunaux devant lesquels vous vous exercez et les matières que vous exercez, vous connaissez le rythme moyen qui sera juste adapté. OK. Et une équipe pour produire le dossier. Et c'est pas dans l'autre sens. C'est je dois faire quoi, donc qui se charge de quoi. Quand on est tout seul, c'est assez rapide, mais il est nécessaire d'avoir conscience d'à quel moment on a quelle casquette quand on est indépendant et qu'on travaille sur plusieurs dossiers à la fois. Là, je suis commercial. Là, je suis chef de projet. Cet après-midi, je vais rédiger, je serai juriste. Là, je vais faire de la stratégie, je serai avocat ou je serai plaideur ou je serai etc. etc. Stratège, on a plusieurs casquettes, nécessairement. OK, donc, quelle est la ligne, le fil d'Ariane du dossier que je voudrais voir tenu? Et s'il y a des variables où sont possibles dans l'avancement du dossier, où est-ce qu'on va avoir des embranchements? OK? Et qui va se charger de quoi? Gestion de projet, pour ne rien oublier. Pour nous, il y a 5 familles de tâches qu'on a répertoriées. Évidemment, première famille, le syllogisme juridique. C'est bien mignon, mais si on est cabinet d'avocat ou qu'on est juriste de cabinet d'avocat, on fait du droit. Ça prend du temps de bosser, de vérifier, de ne pas dire d'ânerie, d'étudier les pièces pour en tirer le plus intéressant. Ça prend du temps, oui. Les calendriers. Calendrier, contentieux ou conseil, hein. Contentieux, on se fait imposer le calendrier par une puissance externe. Conseil, on négocie le calendrier. Il y a toujours un calendrier d'opération. Bon, ça, connu. On va rentrer dans le plus exotique. Gestion de projet interne. Qui fait quoi, dans quel ordre, dans mon cabinet? Et quand on est tout seul, c'est pareil. Quand est-ce que je fais quoi, dans quel ordre, pour que ça sorte? La première recherche juridique, la demande de pièces et la vérification de la réception, la mise à jour jurisprudentielle, la première rédaction, la finalisation validation ou stratégie rédaction, puis envoi. On est tout seul ou on n'est pas tout seul, il y a plusieurs étapes dans le « il faut que la balle ressorte de mon camp ». Ben ouais, mais il y a plusieurs étapes pour que ça puisse sortir. Après ça, gestion de projet externe, ce qu'on disait tout à l'heure. Je l'ai envoyé à mon client. Ben, c'est bien, la balle n'est plus chez moi. Très bien. Est-ce qu'il m'a bien répondu dans les 7 jours? Est-ce que mon confrère m'a bien répondu ou est-ce que je dois me mettre, moi, un rappel dans 15 jours, 1 mois, 2 mois pour être sûr de le relancer? Il a peut-être oublié ou il joue peut-être la montre. En tout cas, il faut que je le relance pour soit bien faire avancer le dossier, soit même potentiellement pouvoir expliquer à mon client pourquoi ça prend du retard, ou créer un incident si jamais vraiment ça devient limite dilatoire. Donc, je dois ne pas perdre le fil, même quand le dossier n'est plus dans mon cabinet. Gestion de projet externe. Toutes les parties prenantes extérieures à mon cabinet. Et au milieu de tout ça, il va y avoir de l'administratif et de la facturation. Devis, convention d'honoraires, déclaration, je sais pas, en droit des marques à la CNIL, en droit des sociétés, on va avoir des formalités à plusieurs moments de différentes procédures. En contentieux, on va avoir besoin de récupérer des pièces auprès des uns ou des autres pour pouvoir monter le dossier qui va nous servir à argumenter. Il y a de toute façon de la recherche de pièces administratives, de la facturation. Est-ce qu'on a un client qui veut être facturé tous les mois? Un client qui est un gros entrepreneur qui veut juste une facture au début du dossier, une facture régularisatrice à la fin avec les justifs de temps? Comment on s'adapte à tout ça? Sachant que tout ça, ça fait partie de la relation client, on l'a vu tout à l'heure. Hein. OK. Gestion de projet, 5 familles de tâches qui doivent toutes être mises à plat, dans l'ordre, pour créer le fil d'Ariane d'un dossier.
pilotage industriel pour accroître sa vélocité. Standardiser 80%, personnaliser 20%. Et ça, on le confirme avec tous les cabinets avec lesquels on bosse. 80% de vos process de production, c'est-à-dire d'une séquence de tâches, d'étapes, est standardisable. Ce sont les mêmes. La façon dont vous aimez ouvrir vos dossiers, je commence par un rendez-vous, puis j'ouvre le dossier sur mon logiciel, que ce soit le stockage de pièces ou que ce soit sur l'un des logiciels métiers, peu importe. Puis je vais lui envoyer une convention d'honoraire avec la liste des pièces, puis je vais surveiller ça sous 7 jours pour pouvoir écrire sous 3 jours, pour pouvoir tatatata. Vous l'avez le rythme, qui est un rythme théorique que vous aimeriez suivre, que vous suivez bon an mal an, ou que vous cherchez à standardiser, mais vous connaissez vos rythmes. Reste par contre la personnalisation, parce que ce client-là, parce que ce dossier-là est particulier, parce que les greffes vont me faire un truc un peu étonnant, parce qu'on va devoir négocier un calendrier un peu particulier en opération de conseil, parce que je sais pas. Oui, il va y avoir de l'adaptation, mais n'empêche que toutes les étapes, le modèle de suivi prédéterminé doit être respecté. On va fusionner des éléments, on va en inverser un ou d'autres parce que c'est, même si c'est pas ce qu'on préfère faire, il le faut parce qu'on ne pourra pas faire autrement sur ce dossier-là. Peut-être. Mais comment on le personnalise et comment ces modèles, partant d'un standard de rentabilité de cabinet, d'organisation du cabinet, personnalisé pour ce client ou ce dossier, doit être écrit et gravé dans le marbre parce que votre client, lui, je vous rappelle, n'a qu'un seul dossier, va l'écrire tout ça, va le relire quand il va vous appeler et va se souvenir de tout ce que vous lui avez promis, à quelle date, quoi, comment, machin. Si vous, vous ne le respectez pas de votre côté, il va se demander si vous bossez. Donc, comment on l'écrit après? Eh bien, on va standardiser. On va standardiser tout ce qu'il y a dans les dossiers, même les nomenclatures et les écritures. Le nom des dossiers, ça souvent c'est assez standardisé, par année, par client, par type de dossier, par famille, etc. Okay. Les tâches, les rappels, les rendez-vous. Le rendez-vous numéro 1, est-ce que déjà il porte le nom numéro 1? C'est comme ça quand on a le rendez-vous numéro 3 dans un dossier de telle ou telle nature, peu importe, je reprends des dossiers que je connais, une contestation de construction de maison individuelle, rendez-vous 3 avec le client, normalement on est soit sur une première négociation, soit sur les fin des argumentations pour être pour passer à l'écrit et générer la signation. Ok, donc on sait que rendez-vous 3, c'est pas la même chose que rendez-vous 1, découverte du dossier. Donc rien que le nom va nous donner une indication sur l'avancement du dossier. Ok? Si on est à inscrire la date de délibéré, on sait qu'on est déjà dans la phase judiciaire, on sait qu'on. Mais pour que les trois personnes, enfin je prends votre exemple, Maître Pouliquen, je ne sais pas si cinq, c'est cinq avocats ou pas, peu importe, pour que les cinq sachent où on en est dans le dossier, il faut que sur tous les dossiers, la même tâche du même avancement porte le même nom. Donc on se dit, ce nom-là, ça veut dire j'en suis là. Comme ça, mais en vrai, c'est quoi? Standardisé. Les rendez-vous, pareil. Les mails, pareil. Toutes vos écritures de mails. 80, on avait compté, je ne sais plus combien c'était, 86% je crois, des mails écrits par les avocats avec lesquels on avait fait l'étude parmi nos clients, nous disent, mais en fait, il y a une phrase qui change, c'est toujours le même mail qu'on envoie. Il y a 3, 4 mails, on balance toujours les mêmes en modifiant une phrase. Est-ce qu'ils sont bien écrits, bien standardisés, bien réfléchis pour couvrir le plus de cas possible sans faire d'erreur et se dire, OK, comme j'ai dit tout ça, il me reste cette phrase-là ou ces éléments-là à modifier pour personnaliser. Dans ce dossier-là, je vais rajouter ça et ça. Dans ce dossier-là, je vais rajouter ça et ça. Ta, 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 ta. Standardiser même les mails pour gagner du temps. Et on en crée des modèles. Pour ceux qui utilisent Outlook, par exemple, il y a une fonction modèle intégrée dans la boîte mail à Outlook. Vous écrivez vos modèles et après, vous, au lieu d'écrire un mail depuis zéro, vous pouvez reconsommer votre modèle pour le balancer. Et on gagne du temps. On arrête d'en perdre, en tout cas. Et on améliore la relation client. Parce qu'on a réfléchi une fois pour toutes à tout ce qui doit être mis dans le mail. Donc, on n'aura pas le. Bah oui, mais vous avez oublié de me mettre ça. Ce qui est souvent une simple coquille ou une erreur parce qu'on court sur 5 dossiers à la fois et qu'on a oublié de relire machin parce qu'on a réécrit pour la 10e fois le même mail de la semaine. Et bien là, on va oublier une info qui va être celle qu'attendait le client. Dommage, il va revenir nous ressolliciter, donc nous refaire passer du temps pour la même info. Et après. Pour nous, pilotage industriel, ça doit être lié à la commercialisation. C'est-à-dire standardiser et anticiper vos conventions d'honoraires et vos modèles de suivi.
Évidemment, je parle de séquences, parce que si on a carrément développé une application pour gérer les séquences, c'est qu'on y croit et qu'on y a passé du temps, qu'on voit ce que ça donne, très bien. Mais même si c'est des closing memo, même si ce sont des habitudes de travail, même standardisez-les pour pouvoir les mettre en relation les uns avec les autres. Dans votre convention d'honoraires, est-ce que vous avez prévu les variables sur chaque type de dossier en vous disant, bah, s'il y a un truc qui ne doit pas se passer comme prévu, normalement ce sera ici et ça peut être ça ou ça. Ou alors ce sera plus tard dans le dossier là et il pourra se passer ça ou ça. Vous le savez. Et ben, ces espèces d'anormalités relativement fréquentes, vous les connaissez, vous pouvez les prévoir, voire presque les forfaitiser. Pour dire à votre client, ben, le fil normal, c'est ça. De mon expérience, on devrait aller vers ça. Si ça bouge, là, il y aura peut-être un truc. Si ça bouge, là, il y aura peut-être un truc. Mais si ça bouge là, ce sera comme ci. Si ça bouge là, ce sera comme ça. Et quelles sont les conséquences financières? Parce que comme on a établi la liste des choses qu'on a à faire, on connaît le temps, donc le volume d'argent que ça va représenter en plus. Et dans l'autre sens, je ne dis pas que c'est toujours à vous de faire le boulot. Enfin, c'est à vous de bosser, mais c'est pas toujours à vous de subir. Est-ce que certains d'entre vous ont prévu la facturation des rendez-vous supplémentaires? Comme j'ai un modèle où il y a trois rendez-vous, si le client m'appelle 12 fois, me demande des avis par téléphone ou autre, je l'ai expliqué au départ, je lui ai expliqué, et c'est prévu dans ma convention d'honoraires, ou dans les conditions générales, ou dans ma lettre de mission, peu importe. S'il m'appelle pour quelque chose qui n'est pas une vraie nouveauté ou qui n'est pas un vrai truc, il y aura un rendez-vous supplémentaire facturé. Alors peut-être pas au prix d'une heure pleine auto-horaire, mais ne serait-ce que facturer une demi-heure, même si vous y passez trois quarts d'heure ou une heure, ben, il y a 80, 100 ou 150 balles qui tombent. C'est normal. On avait dit on s'organise comme ça, lui en demande plus. Alors, on revient dans la personnalisation. Vous voulez plus de relations clients, vous voulez plus d'interactions, plus de suivi. Très bien, mon cher client, je m'adapte, mais ça n'a pas le même prix. Vous achetez une assurance sur Internet, vous débrouillez avec un chatbot, ou vous allez chez votre agent d'assurance qui vous reçoit parce qu'il a pignon sur rue. Bizarrement, les prix sont pas les mêmes. Ben ouais, mais le service sera pas le même non plus. Vous avez besoin du coût humain, très bien, c'est pas les mêmes tarifs. Comment on le prévoit? Pareil, et ça, je le fais avec beaucoup de clients, ça marche étonnamment bien. Moi, j'en étais convaincu, ça se passe bien dans tous les cabinets qui l'ont mis en place. Si votre client est en retard, à quel moment vous lui dites vous êtes tellement en retard que vous me mettez dans la difficulté? Ça veut dire que pour que tous les dossiers avancent bien, vous me demandez de mettre le vôtre au-dessus de la pile, de bosser le soir et le week-end. Chez moi, ça s'appelle des heures sup. Donc c'est majoré 25%. Si le rythme de travail est connu entre vous et votre client, et qu'il sait que à telle date vous allez lui envoyer, et qu'à telle vous lui demanderez de répondre sous 15 jours, il répond pas sous 15 jours ou sous 12 jours, vous le relancez. Très bien. Il vous répond pas une fois, soit deux fois, soit au bout de la troisième, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui rappelle que le dossier peut être en danger s'il ne vous répond pas? Ce qui dédouanera votre responsabilité? Bien. Ou est-ce qu'on lui dit, mais dépêchez-vous, je vais passer en mode heure sup, parce que là, comme de toute façon, la date fatidique, elle est là, et on la connaît tous les deux, je vais avoir moins de temps pour faire la même chose avec des observations de votre part que je n'ai pas encore. Donc je vais devoir comprimer mon accordéon et resserrer mon espace-temps pour vous, parce que vous n'avez pas respecté les délais sur lesquels on s'était mis d'accord au début de dossier. Heure sup, plus 25%. Jusqu'évidemment, le cliquet de fin de phase et on passe à la suite. C'est la grosse rédaction, c'est le dernier jour RPVA, c'est le premier projet de convention négocié, c'est. Peu importe, à vous de le jalonner. Mais comment? On met la pression aussi sur le. Mais attendez, je me force à gérer un rythme, vous aussi. Et ça se facture. Vous voulez du consommable, mais à votre guise, cousu main, quand vous voulez, n'importe quand, soir et week-end, ben, le service 24-24, 7 jours sur 7, ça coûte pas le même prix que les horaires de 9-18 du lundi au vendredi. Ben, c'est normal. Et ça, ils le comprennent très bien. C'est la cohérence entre les attentes et le prix. Faut-il encore l'avoir suffisamment bien réfléchi pour le poser au début de dossier? Ok? Avant qu'on passe au gain, est-ce qu'il y a des questions ou des observations sur ça? Et je fais exprès d'être un peu radical, hein. Non, mais je trouve que c'est intéressant, ça rebalaye différemment la façon d'aborder effectivement la relation client et
le temps qu'on passe sur les dossiers et la facturation qu'on met, parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de faire quand même, sauf dans les cabinets structurés, des facturations sans forcément regarder la rentabilité de telle ou telle opération. Ouais, c'est ça, c'est comment on réfléchit la rentabilité d'un dossier par type de dossier, absolument. Ok. Les gains, ben en fait, on revient à je sais pas si vous connaissez ce truc-là, en les principes de communication et de psychologie de la communication, il y a la communication par enfant, la communication soumise, la communication entre adultes. C'est quand tout le monde est serein et à l'aise sur ses prises de décision. Pour rester dans une communication efficace, c'est-à-dire entre deux adultes, il faut qu'il y ait un cadre, et il faut que si l'un des deux sort du cadre, le second puisse lui rappeler le cadre et le remettre dans le cadre. On est exactement dedans. Si le projet est rythmé dans les étapes et le temps, les rappels, si tout est organisé par rapport à mon client, il faut que je sois capable, moi, d'être responsable de respecter le rythme que je vais annoncer. Donc, comment je l'écris, comment je l'organise. Chez Rubaton, on l'a automatisé. OK, mais il y a d'autres systèmes. Et côté client, s'ils ne jouent pas le jeu, comment je le rappelle au cadre? Et ça va venir un rappel de rappel facture. Ou des charges de responsabilité. OK. Les gains, c'est des additions volontairement. Rentabilité accrue. C'est arrêter de perdre du temps, ça en rapporte. Économie par semaine et par personne. Avoir anticipé tout ce que l'on a à faire dans chaque dossier et avoir organisé sa relation client, on chiffre, nous, qu'il y a entre 3 et 6 heures d'économie potentielle par personne. Et c'est chiffré, c'est pas nos beaux yeux et des calculettes, hein, constatés chez nos clients. Plus, bizarrement, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on ne facture pas, parce que la relation client, de toute façon, c'est un truc qu'on doit faire, donc c'est subi. Bah, en fait, il y a combien d'heures par semaine qui devraient être facturées? Peut-être pas au même tarif, peut-être pas à 100% des honoraires, mais quand même. Bien, bizarrement, ça augmente le chiffre d'affaires. Ou, et c'est toujours de la rentabilité, ça diminue le temps passé au cabinet pour les mêmes revenus. Et ça, ceux qui me disent je bosse trop, je vais bosser moins, je ne vais pas perdre en capacité financière. Ou ceux qui disent bah, je suis en pleine phase d'accélération, je veux me développer pour, bah, il faut aller chercher. Et ça ne se jouera pas sur du jour au lendemain, on fait plus 100%. 10% d'économie plus 10% de facture, vous gagnez 10% de votre temps, vous facturez 10% de plus, votre bilan il n'a pas du tout la même tête à la fin de l'année. Pareil, relation client et image de marque, pour se différencier de la concurrence. L'anticipation de l'ensemble du processus, plus la cohérence entre l'annoncé et le réalisé, ce qu'on disait tout à l'heure, ça crée de la crédibilité qui crée de la recommandation. Et ça, on a des clients, de nos clients avocats qui nous l'ont dit. Le fait d'avoir un train, d'avoir un truc hyper sécure, vous êtes crédible par tout ce qui n'est pas votre juridique. Parce que c'est tout ce qu'ils comprennent. Le juridique, ils sont ravis de vous le laisser. Donc si vous les rassurez sur tout le reste qu'ils comprennent, si vous êtes bon et carré partout, pourquoi vous seriez débile ou que vous feriez n'importe quoi sur du droit? Il n'y a aucune raison. Donc crédibilité. Mais bizarrement, un avocat qui a tenu le rythme, qui a des honoraires cohérents, qui est crédible dans les réponses juridiques parce qu'il l'est sur tout le reste, là, je vais avoir plus tendance à le recommander à mes proches. Et dernier point, qui sort un peu de la relation client, mais qui fait partie de la relation, enfin, un peu de la relation client, parce qu'elle est déléguée à ses collaborateurs, un canevas de délégation, plus un investissement pour l'entreprise. De, on a structuré, on a passé du temps à réfléchir pour structurer notre façon de bosser. Et peut-être même un outil pour automatiser ce suivi. Évidemment, je parle de Rubato. Bon. Eh bien, ça fait que les salariés sont hyper engagés en disant, bah, OK, je sais ce que j'ai à faire, ma mission elle est propre, elle est clean, je sais où elle commence, où elle s'arrête, et ils ont réfléchi pour que ce soit carré, que tout le monde puisse faire la même chose dans le même sens. Ça crée de l'engagement et ça crée de la fidélisation. Notre réponse, je vous parlais de la séquence, faire autre chose autrement. Comment on crée le fil chronologique d'étapes qui modélise la vie de nos dossiers? Pour. Et on le constate, hein, économiser du temps, collaborer vraiment, définir une nouvelle relation client, augmenter la recommandation et former, fidéliser. C'est que des thèmes qu'on a déjà traités à travers la relation client. Nous, on parle d'une séquence. C'est ce que vous voyez sur la droite, cet enchaînement de tâches et de rappels que l'on va pouvoir
soit rendre dynamique parce que le dossier ne se passe pas comme prévu, soit standardiser pour que ça devienne un modèle de notre cabinet et qui va nous permettre d'avoir un résumé de l'avancement du dossier. Donc, pour l'information qui était demandée tout à l'heure dans la relation client, ils ne veulent qu'un résumé, pas le détail. Ben voilà, on a pris tel modèle de suivi, on en est rendu à 40% du dossier, ça devrait se terminer vers telle date. On a exercé à peu près la moitié du temps qui était prévu et on a fait 40% des tâches prévues. Les rendez-vous qui sont à côté, c'est les grands événements du dossier. On a déjà fait trois rendez-vous, normalement il y en aura deux et il y aura deux plaidoiries. Et on a tout d'un coup d'œil pour suivre le dossier. Je parle pas de la technique juridique, je parle de la centralisation du suivi de dossier. Et comme tous les dossiers sont organisés, ben ça nous génère une to-do list quotidienne. Quels sont les dossiers sur lesquels je dois intervenir? Combien de temps de travail j'ai prévu aujourd'hui? Et est-ce que j'ai du temps de retard par rapport à ce que je vais faire hier ou la semaine dernière? Quels sont mes rendez-vous de la journée? Et comment, sans même rentrer dans le fond du dossier, je peux avoir l'automatisation de je dois faire quoi, sur quel dossier, quel degré de priorité. Évidemment, ça se traduit en agenda, dynamique et synchronisé. D'accord? Toujours contextualisé par rapport à notre séquence. N'importe quel élément que vous cliquez sur l'application vous rouvrira la séquence qui modélise le dossier pour vous dire si j'ai ça à faire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu ça à faire avant et qu'il y aura ça à faire après. Vous pouvez personnaliser vos modèles, même si on a plus d'une centaine de modèles écrits par des confrères et des consoeurs du bon domaine d'activité dominant, qui peuvent au moins servir de base à déformer pour votre façon de faire. OK. Et du coup, ça vous permet d'avoir un suivi de l'avancement de l'ensemble de vos dossiers, soit en temps, soit en nombre de tâches, les uns à côté des autres, peu importe que ce soit des matières différentes. Et comme on a fait une application qui est assez récente, c'est nativement une application live, c'est-à-dire synchronisée temps réel 100%, ordinateur, tablette, téléphone, sans surplus, sans connexion particulière ou autre. Ce qu'on constate chez nos clients, déclaré par nos clients, en moyenne 3 heures économisées par semaine et par avocat. Et moins 58% de stress et de charge mentale ressentie. Donc, Borel va vous remettre le lien direct si vous voulez une démo de l'application. Dans le chat, il vous met le lien vers mon agenda en ligne. Et vous n'hésitez pas à nous retrouver. Il y a un site internet qui est en train de se faire peau neuve en plus, qui va être très beau d'ici quelques jours, la nouvelle version. Sur LinkedIn, on a une page Rubato Avocat qui est tout à fait utilisable et vous pouvez nous solliciter par ce biais-là. Et on a une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez des webinaires ou d'autres démonstrations. Merci Borel. Voilà, le lien des réunions avec moi est mis sur le fil de chat si ça vous intéresse. Ok, j'ai presque pas dépassé. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Arrêtez, des avocats qui me disent que je suis clair sans question, ça m'inquiète plus que ça me rassure. Ouf. Faut le temps de digérer, mais voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut Votre un peu. logiciel permet-il aussi le suivi des temps? Oui, absolument. L'idée, c'est que si chaque tâche est budgétée, si on alloue un temps de réalisation à chacune des tâches ou des rappels, même 5 minutes, pour vérifier qu'on a bien reçu l'information de tel mail, de tel client, on va pouvoir dire quand on a réalisé cette tâche, le temps qu'on y a passé. Donc, on va au fur et à mesure voir le temps qu'on a réalisé sur le dossier par rapport au temps qu'on avait budgété, ce qui va nous permettre de suivre notre taux de facturation. J'avais prévu de passer tant de temps, je facture pas toutes mes heures, parce que le vrai temps produit de mes 10 ou 12 heures par jour au cabinet, facturé à 180 ou 250 euros de l'heure, les clients ne paieront pas tout ça. Mais si j'ai un ratio de 1 heure sur 2, de 2 heures sur 3, qui est un ratio qui me permet d'être rentable, qui est acceptable sur le marché, etc., comment je suis que mon volume de facture correspond bien à 2 tiers du temps que j'y ai réellement passé? Mais encore faut-il suivre le temps dans toutes les tâches, pas que les tâches de rédaction juridique, qui sont celles qu'on a apprises à la fac. Toutes les autres qui naissent de la relation client, de la gestion de projet ou de la chefferie d'orchestre de toutes les parties prenantes font partie de ça. Question, nous on a déjà un logiciel de gestion de dossier. Lequel? C'est Cib. OK. Comment est-ce que un logiciel comme le vôtre peut s'intégrer ou venir en complément? Alors, venir en complément, c'est simple. Vous l'avez sur votre téléphone à côté. S'incrémenter, on est en train d'en parler avec eux de manière native, de est-ce qu'on pourrait devenir une option de ces cibles. En parallèle de ça, de toute façon, on a une API, donc on peut faire les synchronisations avec eux.
Et pareil sur tous les D'accord. logiciels, comme on a une API et qu'ils en ont aussi, il est envisageable de les synchroniser. D'accord. Mais pour l'instant, on l'a depuis très peu de temps, cette API. Avant ça même, en utilisant Rubato à côté de Sessib ou de Jarvis, je vois votre question sur le chat, c'est en ayant ces doubles, comment dire, pas conséquences, mais ce double environnement qu'on leur faisait gagner 3 heures par semaine. Parce qu'en fait, vous ne faites pas la même chose sur Rubato que sur Sessib ou sur Jarvis. Ben c'est bien, on en fait une partie, mais pas tout. Voilà. Pas grand chose en fait. Après, la question devient juste sur l'agenda, qu'est-ce que je mets où? Non, mais on a fait le calcul, moi je connais bien les solutions, je les ai réétudiées quand on l'a lancé. Il y a des faux semblants. Quand Cécile vous dit il y a de la gestion de tâches, c'est de la délégation de tâches à des collaborateurs. Ce n'est pas de Oui, la gestion de toutes les étapes de suivi. tout à C'est fait. le post-it que vous laissez sur le bureau de votre collab. Donc dire que c'est la même chose, il faudrait peut-être que l'un ou l'autre change de nom, parce que le référentiel commun semble identique alors qu'il est trompeur. Ça n'est pas la même chose. D'accord. Les agendas, oui, on a une synchronisation. J'aimerais, moi, avoir une synchronisation négociée avec tous les gros éditeurs du marché. Jarvis a été racheté par LexisNexis. Ils ont PolyOffice à côté. J'adorerais parler avec eux pour intégrer les cohérences d'agenda et de trucs. Oui, on est en train d'en parler avec eux. J'attends que ce soit fait. Il n'empêche qu'on a déjà des API qu'on peut connecter au leur et que même en étant sur deux environnements, comme on ne fait pas la même chose, on a déjà des cabinets qui bossent sur tous les logiciels marchés existants et qui, même malgré le double environnement, gagnent du temps et se sentent plus rentables. Parce qu'il est plus D'accord. facile d'ouvrir son téléphone et de regarder sur Rubato si on n'a rien oublié que d'attendre d'être au cabinet pour réouvrir ses sites pour se dire alors, c'est reparti, j'en étais où? Enfin, il faut que ce soit maintenant tout de suite. Ok, moi j'ai une petite question, savoir est-ce que donc via Rubato, le client peut avoir accès à, donc à son dossier et toutes les informations c'est ce que j'imagine Bien vu, que pas encore. pas encore. Ça va J'avais venir. réfléchi, j'imagine, ouais. On l'avait fait au départ, enfin on l'avait prévu au départ, et on s'est rendu compte en parlant avec des avocats, avec des testeurs, que l'erreur qu'on avait faite, c'était de sous-estimer la nécessité d'opacité. Si vous dites tout à votre client et qu'il a accès à toutes les tâches, si vous décalez votre tâche pour le faire demain et pas aujourd'hui, parce que vous avez une vraie urgence qui vous est tombée sur le coin du nez, il y en a quelques-uns qui vont être capables de vous appeler pour dire, dis donc, sur 100 dossiers, vous allez tous devenir fous. Donc non. Ouais, je veux bien le Par croire. contre, Je pense que si... l'équilibre non, l'équilibre à trouver Ouais. entre parce qu'aujourd'hui, je fais tous les pleins de services en fait, genre prime, enfin, essayer de jouer la transparence et donc le client a le plus d'informations possible. Mais c'est vrai que Ouais. l'équilibre à trouver à ce niveau-là, je pense qu'il n'est pas évident. Et il est en fait assez personnel sur un cabinet et un autre. Les matières juridiques vont liées à ça. C'est un avocat conseil en droit des sociétés. On bosse tellement main dans la main avec l'expert comptable et l'entrepreneur qui veut réaliser une opération qu'en fait on se dit à peu près tout. Un contentieux où il y a une date clé parce qu'on est sur un divorce où ça se passe mal, ou sur, je sais pas, moi, ce que je faisais de la VEFA ou des codes, donc la vente en état futur d'achèvement, ça fait 5 ans qu'on a commencé à mettre des fonds, le projet est pas sorti, c'est en retard, le promoteur a peut-être un coup dans l'aile, on sait pas ce que devient le projet, et on est sur un emprunt, sur un prêt relais, où on vit chez ses parents ou en location, en ayant vendu notre premier appart et je sais pas quoi, il y a des situations de crise terribles, ils ne toléreront pas qu'on ait 5 jours de retard. Alors que ça ne change rien sur la date limite de leur dossier qui, de toute façon, va se plaider dans 3 mois. Donc ça ne sert à rien de leur envoyer du stress. Ça dépend des matières, ça dépend des rythmes de cabinet. Donc on est en train de le développer. Comment est-ce que vous, avocat, vous allez pouvoir dire celle-ci, je ne la montre pas. Par principe, tout sera visible. Celle-ci, je ne veux pas qu'il la voie. Celle-ci, je veux pas qu'il la voie. Cette Celle-ci, je veux tâche, pas qu'il la ouais, ok, voie. ouais, je vois, ouais, je Voilà. vois, ok. Et du coup, créer une application que vous pourrez ouvrir à votre client, qui aura des droits plus restreints que les vôtres, mais qui lui permettra d'avoir, sans appeler votre secrétariat, accès à l'avancement de son dossier et potentiellement ce qu'on est en train d'évaluer. Donc je suis un peu de la prospective là, une boîte de dialogue direct avec l'avocat. Pour arrêter de vous solliciter que vous ayez 150 mails, bah autant que ce soit des espèces de chats, mais direct avec l'avocat, déjà sur le bon dossier. Vous aurez de la communication, mais déjà dans le dossier, dans l'historique des échanges à côté de vos séquences. Vous serez bien plus confortable à leur répondre en 3 secondes. Plutôt que de dire, alors, il met ça dans le mail, il faut que je rouvre le dossier, peut-être qu'il faut que je relise mes anciens mails pour retrouver ceci pour. Ok. Ok? Ouais. Donc, ça, oui, c'est les deux axes de développement. Synchronisation, évidemment, on en parle, mais comme ce sont des gros prestataires, enfin, des gros éditeurs très réputés,
ils nous regardent un peu comme les nouveaux venus, donc ils prennent un peu de temps avant de nous faire confiance et de nous ouvrir tous les accès, logique. Il n'en reste pas moins que même en utilisant les deux à côté, le gain de temps que je vous donnais, je suis capable de vous expliquer, si on se retrouve en entretien individuel, comment on a calculé pour arriver à ce ratio-là. Et c'est pas, il n'y a pas de temps à passer. On économise du temps, on n'en crée pas. Si vous passez, si vous gagnez 3 heures, ça veut dire que vous en avez passé 2 sur Rue Bateau, avant vous en passiez 5 ailleurs. C'est que de l'économie, hein. On va gratter du temps à droite à gauche. On va pas en inventer en vous disant que vous êtes libre. Pas comme ça. Puis, oui, puis au-delà du temps, même, c'est de la clarté, quoi. Avoir une Oui. centralisation de données. Ouais, alors en interne, c'est très confortable parce qu'on se retrouve vite dans ces dossiers. À l'externe, pour un cabinet qui veut se développer, c'est une vraie différenciation marché. J'ai investi dans un outil qui fait que quand je vous dis que le dossier va se passer comme ça, j'ai carrément des rappels automatiques automatisés qui font que tac, 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 tout mon dossier est organisé. Si ça bouge, je le saurai, je vous préviens dans la seconde. Ben, c'est hyper rassurant parce qu'il y a peu d'avocats qui arrivent à être aussi prévisibles. Et je ne dis pas transparent. Parce que tout ne doit pas être dit, je pense, qu'il faut que vous gardiez de la souplesse pour les adaptations et les vraies urgences. Mais de la prévisibilité, de gestion de projet et à côté de ça, de facturation, ben vous ne vous posez pas pareil vis-à-vis de vos prospects. Et la création de confiance dont on parlait pour la délégation technique et psychologique, elle ne sera pas pareille. Bon, je m'emporte, j'ai débordé un peu. Je sais que vous avez encore des trucs à faire avant de rentrer à la maison. S'il y a d'autres questions, avec plaisir, vous avez mes coordonnées, vous recevez un mail normalement demain avec le replay, si vous voulez le regarder. Et dans le mail, il y a mes coordonnées directes, que ce soit le numéro de téléphone ou adresse mail. Vous n'hésitez pas, soit via l'adresse de mon agenda en ligne que vous avez dans le chat là, à prendre rendez-vous, soit directement vous me recontactez. Très bien, Bonne journée à merci. tous. Merci beaucoup. Bonne fin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.